Alors que le PSG traverse quelques jours délicats, forcément les dossiers remontent sur les premiers pas de Luis Enrique à la tête du club. Le PSG s'est mis une bonne épine dans le pied alors que le premier grand rendez-vous européen de la saison arrive. Mardi soir en Ligue des Champions face à Dortmund. Le club de la capitale, en s'inclinant à domicile contre Nice 2-3 dans un match où beaucoup de carences sont apparues, a installé du doute autour de lui au moment où il cherchait au contraire des certitudes. Luis Enrique a donc du travail pour remettre son équipe sur les rails en quelques jours, sous peine de basculer dans une spirale déjà inquiétante. Un Luis Enrique qui n'a de toute façon pas attendu cette fin d'été pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de boulot avec ce PSG. Sur le terrain mais aussi en dehors. Illustration avec cette révélation folle de Sportzone au sujet de la préparation parisienne. Selon le compte Twitter bien informé sur le club de la capitale, Luis Enrique et son staff auraient été choqués dès le Japon par l'hygiène de vie de certains joueurs, et notamment certains attrapés, clopes au bec, à l'occasion de cette tournée asiatique. Forcément de quoi déplaire au coach espagnol adepte d'un rythme de vie très strict.